bien, salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Resident Evil 2 et nous en sommes à l'épisode 6. Comme d'habitude, je vous conseille un casque ou des écouteurs, pourquoi pas de quoi se préparer à boire, à manger. Voilà, faites-vous plaisir, on va se retrouver une bonne demi-heure ensemble dans l'horreur, mais le plaisir avant tout. Et sachez que vu que j'ai l'édition de luxe, je me suis dit pourquoi pas se faire un petit kiff, quelques épisodes, dites-moi ce que vous en pensez, mettre les musiques et faits en original. Vous entendez ce bruit? Ça, c'est le remake. Vous entendez le bruit? Ça, c'est de l'original. Remake, original. Tu vois, ça va te rappeler quelques petits souvenirs si tu avais fait le jeu, évidemment, sur PlayStation 1 ou Nintendo 64 ou PC. Enfin, tu l'as compris, fais un petit effort parce que je suis à deux doigts de bouillir. Donc, on est parti. On avait fouillé ici déjà, mais oui, mais bien sûr qu'on avait fouillé ici. Suis-je bête, c'était il y a 2 minutes pour moi. Direction la zonze, comme on dit. Lui est bien louche, si je peux me permettre. Voilà, c'était évident. Monsieur, vous êtes trop louche. Vous avez un truc dans le dos. Oh putain. Oh. Ah. Monsieur est très gourmand par contre, hein. Louche mais gourmand. Je rigole, je rigole. Hop, toi tu vas tout prendre, hein. Tu vas vraiment tout prendre. C'est bon? Et bon appétit, bien sûr! Ça a réveillé la famille. Ça a réveillé la Mifa. Ok, là-bas, il n'y avait rien à faire. Yo! Cet homme est mort. Cet homme est vivant. Enfin, cette femme, excusez-moi, madame. Ça va? Hop. Ouais, on ne peut pas passer. Hein. Mais ouais, mais putain, j'ai plus aucune maîtrise de mes armes. C'est terrible. De toute évidence, on peut aller nulle part. Voilà. C'est toujours plaisir. Voilà, on n'a vraiment aucun accès. Hein. Ça prouve la puissance qu'on a dans ce jeu. On a quelque... Oh. Ouvrir toutes les portes. Bah oui, mais c'est futé, ça. C'est futé, l'artiste. Ok. Ah. Y'a quelqu'un? Ah. Ah, j'y crois pas. Un vrai humain. Ah. Ah. Salut, l'humain. Depuis quand vous êtes là? Ah, trop longtemps. On est les derniers survivants? Non. Non, il y en a d'autres. Ah, c'est tant mieux, j'imagine. Ouais. Sauf si c'est Irons qui t'envoie. Irons? Le chef de la police? Il est encore ici? On s'en fout. Avec un peu de chance, il s'est déjà fait bouffer. Quoi? Comment ça? C'est l'enfoiré qui m'a enfermé ici. Je suis sûr qu'il avait ses raisons. C'est vrai. J'étais sur le point de balancer ses magouilles. J'aurais fait la même chose, j'imagine. Hé, hey, je te propose un marché. Libère-moi et je te donne ça. C'est le seul moyen de sortir du parking, crois-moi. Désolé, je peux pas faire ça. Je dois d'abord parler au chef. Écoute, on est tous les deux pris au piège ici. Donc, soit on fait un effort et on s'entraide, soit... Hé, hey, merde, il arrive. Quoi? Qu'est-ce qui arrive? Allez, allez, fais pas le con. T'as besoin de ça. Fais-moi sortir de ce putain de trou. Oh damn! Oh mon Dieu. Qui est là? Ce n'est que moi. Alors range ton arme. Je sais même pas ce qui s'est passé. Tout est allé si vite. Je t'avais dit de t'en aller. À moins que tu ne veuilles finir comme Ben. C'était qui? C'était un indique. Il avait quelques informations utiles à mon enquête. Donc ce qu'il disait était vrai? Hé, hey, arrêtez de me laisser en plan comme ça! Je connais même pas votre nom! Moi, c'est Léon Kennedy. Trouve un moyen de sortir. Léon, tant qu'il est encore temps. Ensuite, on verra. Moi, c'est Ada. Marché conclu, alors. Bon, 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 bon. On sait où est la carte. Ah, quelle horreur. Le zoom. Oh, damn. Ils ont zéro rigolé. Oh, c'est terrible. On a enfin vu Ada. Oh, outil très, très, très séduisant, si je peux me permettre.
J'ai rien. J'ai rien. Quelqu'un sait faire de la soudure par ici? Oh putain, attends. Attends, je rigole, mais je suis débile en fait. Parce que je suis sûr que si tu fais examiner, il y a quelque chose à l'intérieur, sans déconner. Bah tu vas mourir en fait. Ok. Et, putain de merde. J'ai la clé depuis le début, sérieux quoi. Très bien. Panneau électrique des cellules. Le panneau électrique est HS. Est-ce que le responsable pourrait vite régler ça? Tout le monde doit le savoir, mais vu l'âge du panneau électrique des cellules, on va avoir besoin de pièces que plus personne ne fabrique. Il doit y en avoir dans la salle du générateur. Addendum, on me signale qu'il n'y a qu'une seule de ces pièces dans la salle du générateur. Le type venu réparer la cloche dans la tour de l'horloge doit en avoir une autre. Il faut que quelqu'un lui pique. Lui demande gentiment. Ok, tour de l'horloge du commissariat. Très bien. Sans ça, on ne pourra point réparer, évidemment, l'accès aux cellules. Bon, je vais pas vous mentir, les gars, que tout va partir très très vite en cacahuète. Donc c'est parti. Voilà, c'était un petit suspense. Ouais, c'était pour que tu kiffes, c'est normal, ça me fait plaisir. C'est mon petit côté réalisateur un peu. On y va, les gars. Ah, putain, mais t'es pas mort, frère. Toi, t'es dans la butte tout le temps. Ça va. Allez. Ok, il a l'air mort. Vu les bruits. Non mais c'est pas mal, il y a des mecs qui meurent jamais en fait. Bon, nous y voici. Nous y voici, nous y voici. On a la clé de voiture. Comment on va faire? Il me semble que c'était la voiture avec les feux arrière allumés. Voilà, pas du tout. On adore. Une clé très abîmée. 74, 39. Voilà. Oh, je suis un monstre. Ah, peut-être un des meilleurs joueurs. Oh, la crosse du Matilda. What? Pardon? Attendez. Incroyable. Ok. Fiable et polyvalent. Ce fusil... Non, pas du tout. Le pistolet en polymère. De nombreux défauts l'ont rendu peu adapté pour les civils ou les forces de l'ordre. Bah c'est chiant. Normalement, je suis beaucoup plus précis, je pense. J'ai acquis des compétences totalement particulières autour de ces 800 dernières années. Bon. Je sais plus où c'était le rideau électrique. Mais je vais m'en souvenir, vous inquiétez pas. Je crois que c'était par là. Donc on va y aller calmement. Merci de garder votre calme. Ensuite c'était par ici. Coucou les chiens. Vaut mieux heureusement que je les ai tués parce qu'il me semble qu'à un moment ils se libèrent et ça part en roue libre à tous les coins de rue. Ça devient terrible. Ensuite c'était à gauche. Ok, on y est. Bon bah les gars, je suis plutôt content parce que je crois qu'elle va me servir à autre chose. Il y avait quelque part une autre roulette. Attention, pas de screamer, hein. Déconnez pas. Ah, nous voici au comico, les gars. Putain, le plaisir. Oh, c'est un plaisir sans fin. Attends, j'ai dit une bêtise. Ok. Composants électroniques en boîte. Frérot, sincèrement, c'est la salle du générateur. Donc, je croyais qu'on était de retour au comico, mais pas du tout. C'est un mensonge. Ok, là, y a rien. Là, je peux faire quelque chose de terrible, sûrement. Je fais une bêtise. On allume tout. Attendez, j'ai fait une bêtise. Je crois qu'il faut que je sois dans la zone rouge, non? Attendez, selon toute logique... Là, je suis dans la zone rouge.
pense qu'il faut que je sois dans la zone rouge sur chaque. Bon. Là, vous êtes chiants, les gars. Ok. Like a boss. J'ai peur. Oh putain. Vache crabe. Oh putain, c'est quoi ça? Il a fait une Starkey Hutch. Attends, on est où là? Pas d'embrouille, les gars, hein. Salle du générateur, c'est fait. Faut que je fasse tout le tour. Faut que je fasse tout le tour. Pas de... Oh, il y a une plante. D'où Jésus? Je la veux. Ok. Normalement, une cartouche de pompe, ça m'HS. Les chiens directement. Ah commence à devenir compliqué. Hop, ça combine en masse hein, par ici. Yo les gars. Oh. Vas-y, vas-y, vas-y. Ose passer hein. Il va oser ce con. Ok. J'ai peur. Il sait ouvrir les portes ce con. Il sait ouvrir les portes! Oh putain, je suis débile. Rigole! Ah! Putain! Oh le con! Oh, vache! Oh ça bombarde, hein, ça rigole pas, hein. Non, les gars! J'ai déjà pris ma part. Putain, je sais plus où je suis, je sais plus où je vais, je sais plus rien là. Ah putain. Non, je rigole. Non, merde, non. Oh putain. Oh, j'ai pas envie d'utiliser toutes mes cartouches en fait. Mais lâche le morceau, gros! C'est un truc de ouf! T'es un forceur en soirée! C'était là. Allez, on se casse, hein. J'ai plus rien, j'ai plus de balles. C'est bon, vous êtes content? Vous avez vidé mon inventaire? Oh putain, retour au comico. Allez. Oh, j'ai jamais été aussi heureux qu'ici, dis donc. En plus, on a une nouvelle clé. Oh, merci. Des petites cartouches de pompe, ça fait plaisir. Ok, on a quoi? On a une plante. Oh, beau ça! On a une... ok. Très très beau ça. Bon! On va réfléchir les gars. On a la pellicule, on va la garder. On a la manivelle, on va la garder. On a une poudre supérieure, on va l'utiliser. On a la clé, on va la jeter. Tiens, on va le déposer ici, ça sera en souvenir. On sait jamais, ça on peut le déposer. Très bien. Ok. Je pense qu'il est temps d'utiliser encore une poudre. Ok, on va combiner ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En vrai, pas grand-chose. On est plutôt bien maintenant. On a beaucoup de plantes, ça c'est plutôt cool. Planches, on va les utiliser de toute façon. Il faut... Il faut, il faut, il faut. On a une nouvelle plante par là. Hop, voilà. J'aimerais bien lire le guide un peu des plantes là. Il était où? Il était où? Il était où? Vertu des plantes, ok. On savait que la combinaison de plusieurs plantes améliorait les effets, mais on a découvert que les plantes rouges étaient utiles lorsqu'elles étaient correctement associées. Très bien. D'après un expert en médecine asiatique, un mélange de plantes bleues et rouges renforce la constitution. Ah, mais ça, j'ai pas compris. Hop, on va déposer ça, les gars. Ça m'a saoulé. Toutes vos conneries là. Ok. On va ouvrir. Vas-y, régale, hein. Régale-moi. Voilà. Ok. Est-ce que ça vaut le coup de refaire encore des... Oh, ça vaut totalement le coup. Allez hop, on pose pas de questions. Ça dégage totalement. Voilà.
Il n'y en aura jamais trop, c'est moi qui te le dis. Ok. Bon, c'est plutôt cool. What? Oh, regardez! Ah non, putain, c'est Monsieur Raccoon. Ah, oh, je suis sûr, il y a un bail. Non, 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 non. Là, c'est fait de bêtises. Je suis sûr qu'il faut tirer dessus, il y a un bail. Ah ouais, putain, je sais pas. Chier, pauvre bête. Composant. Oh putain, non. On a trop de trucs. Ok, on a un composant. Bon. Ah, cartouche de magnum. Malheureusement, on n'a pas le magnum. C'est pas mal, ça. Hein. Je suis pas peu fier de cette petite save. Donc, regardez bien ce qui va se passer. Il me faut cet outil encore. Composant électronique en boîte. Il me faudrait une clé USB aussi. Oh, il y a tellement de choses qui me manquent. On va save et on est parti. On continue. Évidemment, on va utiliser la manivelle à fond. C'est-à-dire qu'on va tourner un maximum de choses. Je crois que l'hélico, il y a quelque chose à faire. Bon, faudra que je revienne dans le stand de tir aussi. Pour le Crash Bandicoot. Ah, cette fenêtre, on peut pas. Celle-là, on peut. Allez, hop. Allez, voilà. Ok. Oh, bon. Ah! Oh, mais putain! Wouh! Yo, frérot! Oh non! Ok. Je rigole. Mais non. Mais non. Mais putain, tout ça parce que je sais pas comment on range une grenade sans lâcher, merde. Oh bah putain, y'a deux balles qui sont parties, je suis désolé, tu m'as gonflé. Wesh. Ah merde. Ok. Oh. Oh, c'est une grenade, c'est pour toi, mon pote. Allez, explose. Ok. Merde. Non, non. Eh, vous forcez trop ici, c'est terrible. Ici, vous forcez trop, les gars. Hein. Mais ouais, mais... Vous commencez à me dégoûter tous. Ah ! Mais c'est quoi, ce bruit ? Mais c'est toi, sérieusement ? Allez, hein, faut mourir. Je t'ai achevé, là. Hein. Il bouge encore, lui. Mais gros, arrête, oh ! Et toi, qu'est-ce qu'il y a? C'est ta position qui est chelou. Oh, c'est un truc de ouf. C'est un... Oh, bah putain. Bah oui, mais c'était notre collègue. Enfin, c'était, hein, évidemment. Bon, les gars, ça commence à devenir très compliqué. Vraiment, je vais pas faire l'américain, vous le voyez. La situation devient cocasse, déjà, pour commencer. Et très compliquée. Donc, on va directement à l'étage suivant, je suppose. Forcément, quelque chose à l'étage suivant, ouais. Ok, ici c'était un carnage. Je crois qu'ici il y avait quelque chose à faire. Il y avait totalement quelque chose à faire. Ok, il y avait rien à mettre là? Pas une manivelle, rien? Très bien, on va regarder un petit peu où on en est sur la carte. Hop, trou de manivelle, yes. C'est bien ce que je pensais. Il y a deux trous de manivelle, je les connais. Celui à l'étage. Et celui-ci. Et après, je pense que c'est fini. On a une place supplémentaire. Ah, ça commence à devenir un sacré casse-tête, hein, ce putain de commissariat. On va peut-être pas faire entrer les chiens dans le comico, les gars. J'aimerais un petit moment safe, un peu, non? Ok. Forcément. Oui, c'était évident. Nouvelle zone, bureau du chef, il y a tout ce qu'il faut, les frères. Hein. Ici, les gars, on se régale. Ok. PC porte verrouillée, bougez pas.
cadenas. Mais il était où? Oh, il y a une terrasse incroyable. On va aller à la terrasse, les gars. Porte verrouillée électroniquement. Bon, c'est pas grave. Allez, on y va. Pas le temps pour ces conneries. Non, je peux pas. Je peux pas casser, les gars. Voilà. Parce que ça sert à rien. Je vais pas casser. Ah, bah oui. Il faut le cœur. J'ai le pic. C'est bien dommage. Pas de bol. Pas de bol, pas de bol. En haut, en bas. Allez, en haut. Je me sens mis en haut, je sais pas pourquoi. Ah! Putain, l'inventaire, ça devient un bordel, un bordel! Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ah, on en a plus besoin! Hop, ça dégage. Allez. Une place supplémentaire. Fais-moi rêver, s'il te plaît. Ouais, ça me fait rêver, ça me fait rêver. La crosse, c'est pas mal. Elle permet de bombarder. C'est plutôt cool. Ça réduit énormément le cooldown. Hop, je me chie dessus, hein. Marche arrière. Ah, on est bien dehors. Ah oui. Ok. Attends. Non. Non, non, je voulais remonter en plus. Et ben voilà. Une putain de bonne soirée. J'ai pas d'armes, j'ai plus de grenades. Les gars, je suis à poil, les potes. Je comprends pas. Qu'est-ce que je fous là? Je ne comprends pas. J'ai rien demandé, moi, les gars. Je suis totalement à walp. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui. Ok. Très bien. C'est vrai qu'il n'y avait pas assez d'eau. Ok. On va tout reload. On y va. Là, il n'y a rien. Ok, ok. Alors, il va falloir que je trouve un morceau de tuyau ici, ou du scotch, ou enfin quelque chose, de manière à reboucher le tuyau pour que ça éteigne l'incendie. On est de l'autre côté totalement de l'incendie, là, si vous voyez ce que je veux dire. Regardez. Il va falloir que je récupère un truc dans l'hélico. Je sais plus c'est quoi, par contre, pour être très honnête avec vous. Voilà, je suis franc, hein, je vous mytho pas. Je sais qu'il y a quelque chose d'important à récupérer dans l'hélico. Bon, bah, on fait le tour. Allez, salut. Salut, mon pote. Mais attends, parce que je fais le tug, mais non, j'ai beau faire le tour, j'ai pas de tuyau. Va falloir qu'on développe la pellicule aussi. Il y a un mec en tronçonneuse. Hop. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un mec, on dirait, il a une tronçonneuse. Qu'est-ce que c'est que ce mec? C'était tellement sûr. Bon, on va essayer quelque chose. Allez-y. Ok. Pas très efficace. À part retirer. Non, c'est pas vrai. Abusez pas. Arrête. Hé, couché. Là, t'es chiant. Force pas, ma soeur. Truc de fou, toi, hein. Désolé. On commence à m'énerver. J'active des trucs. C'est un bordel, frérot. C'est un bordel. Ok, je suppose qu'il faut aller derrière et éteindre, évidemment, l'incident. Maintenant, on a inversé. Donc, l'eau viendra par la gauche et non par la droite. Voilà. Normalement, l'eau viendra par là. Je dis peut-être de la merde, hein. C'est peut-être full random. Allez, on pompe, hein. Voilà. J'ai toujours raison. Ok. C'est bien. Eh bien, eh bien. Eh bien, eh bien, eh bien. Ça a l'air bon. Rigolais, gros. Franchement, ça va ou quoi? Oh la vache! Non, mais il me suit! Je t'ai dit que je rigolais!
Il court vite. Il court très vite. Il court à ma vitesse. Il descend pas les marches quand même. Non. Il descend les marches. Il peut pas rentrer. Impossible qu'il rentre ici. Je suis un fils de pute s'il rentre ici. Il va rentrer. Il est reparti. Oh non, mais deux clés, mais les gars, mais... Non. Les gars, je crois qu'on va s'arrêter là. Ah, j'ai réveillé un monstre. Je peux pas le battre. Mister X, on peut pas le battre. Si vous voulez, c'est un petit peu Nemesis. Mais peut-être plus chiant. Je pense qu'on va s'arrêter là. Non, franchement, j'assume pas. Là, je vous dis la vérité, les frères. Dans l'instant présent, j'assume rien. Si je sors, il va être là. On va regarder la carte. Ok. Encore une poudre, bah oui. Hein. J'ai plus de grenades en plus, putain. On va reposer ça. Ok, les gars, je vois pas spécial... Voilà, j'ai trié, hein, parce que c'est chiant, j'ai 12 000 armes. Je vois pas de... J'ai beaucoup de soins, c'est bien les soins, mais... J'ai envie d'y aller. Vas-y, on y va. Attendez, parce que... C'est bien de courir, mais faut savoir où courir. Il est parti, hein. Totalement parti. Il va revenir, hein. Totalement revenir. Oh putain. Je cours. J'ai peur. Ok, il est là. Oh. Ok, il est par ici. Oh, qu'est-ce qu'on est bien ici, dis donc. Il peut pas venir. Non, il peut pas venir. Il est totalement ici. Je sais pas quoi faire. Me posez pas de questions, me parlez pas, les gars. J'en ai aucune fichue idée. Quoi? Oh non. Marvin. Non, il est pas rentré. Il est rentré! On va s'arrêter là. Non, on va s'arrêter là, j'assume pas. Wesh! Il est rentré! Ah! Non, mais je peux pas! Putain! What? Je peux pas. Ah! Je comprends pas. Je lui ai laissé mon couteau, c'est collector. Je m'en bats les couilles. Oh là là. Ah ouais, mais je sais où mettre tout ça, je sais. Ah merci, une grenade, ça fait plaisir la famille. Bah j'ai pas. Hop, ça dégage. Bah oui, il y a un liqueur qui m'attend de l'autre côté. Mais oui, c'est clair. Pop, mon petit pote. Oh là là. On va où là? Où nous mène la vie finalement quand on y pense? Putain, clé des casiers, ça sert à rien. On a une chambre de sécurité là-haut.
il peut venir partout. Putain, il peut venir dans le hall principal. Je voulais tuer Marvin au calme, tu vois, que ça reste entre lui et moi. Eh ben, direction la chambre noire. Attends, je revois une dernière fois le chemin. Ok, à droite, tic-tac, tic-tac, toum. Non, je crois que ça marche pas comme ça, putain. Ok, on y va. Hein. Je sais qu'il y a un liqueur ici, mais c'est pas grave. Oh là 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 là. Wesh, il est là. Il est déjà là. Il est déjà là. Oh non, j'ai trop peur. J'ai trop peur, les gars. Putain ! Gauche. Non mais les gars, s'il vous plaît, c'est trop, les frères. Ok. Vas-y, hein, mettez-moi ma part. Impossible! Impossible! Flashbang! Il est là. Vas-y, finissez-moi! La vérité, finissez-moi! Achevez-moi, putain! Sonnez. C'est ridicule! Tiens, on va développer la pellicule. Casier 3F, troisième étage, DCM. C'est ridicule, tout est ridicule dans votre jeu. Vous m'énervez tous. Vas-y, viens m'achever, frérot. Incroyable. Incroyable. Je pense pas qu'on puisse le battre, pour être très honnête avec vous. Tiens, on va se reprendre des soins. On va save ailleurs. J'ai besoin d'une bonne pause. Non, j'en ai trop pris. Les gars, je me suis fait fusionner la gueule. On va save ici, à la place. Voilà, on va pas remplacer la game. La save juste avant, justement. J'ai vu Mr. X pour la première fois. Donc j'étais à deux doigts, entre guillemets, de l'affronter. Mais s'il peut venir dans tout le commissariat, c'est qu'il est juste intombable. Intombable. Mais dans le commissariat, je vais pas pouvoir faire tout le commissariat avec lui derrière. C'est pas possible, les gars. Putain, là, je vois pas le... Regarde dans la gueule que j'ai, frérot. Allez, on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Soyez prêts, parce que la prochaine fois, ça va gicler, je vous le dis, hein.